Et Dieu veut bénir quelqu'un. Ézéchiel chapitre 37. Amen. Ézéchiel chapitre 7. J'ai eu la parole. La main de l'Éternel fut sur moi. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit. Et l'Éternel me transporta en esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux. Comment? Tout autour. Mm-hmm. Et voici. Ils étaient fort nombreux. Donc les ossements étaient fort nombreux. Allons-y. À la surface de la vallée. Mm-hmm. Et ils étaient complètement secs. Donc les ossements étaient comment? Secs. Ils étaient comment? Les ossements étaient comment? Secs. Comment? Il me dit. Qui a dit? Il me dit. Mais qui a parlé ici qui a dit? Il me dit. Qui a dit? Dieu. C'est Dieu qui a dit. C'est ça. Vas-y, continue. Fils de l'homme. Ces ossements pourront-ils revivre? Donc il pose la question à Ézéchiel. Est-ce que les ossements peuvent-ils revivre? Continue. Je répondis. Seigneur éternel. Tu le sais. Il me dit. Prophétise sur ses eaux. Il a dit quoi? Prophétise sur ses eaux. Il a dit quoi? Prophétise sur ses eaux. Prophétise sur ses eaux. Continue. Et dis-leur. Ossement desséché. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel. À ses eaux. Voici. Je vais faire entrer en vous un esprit. Et vous vivrez. Continue. Je vous donnerai des nerfs. Amen. Dieu bénisse sa parole. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je parle rapidement dans quelques minutes sur le thème de la mort à la vie. Amen. Amen. Dieu est ton voisin de la mort à la vie. De la mort à la vie. Je parle rapidement sur le thème de la mort à la vie. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez-moi, excellent enfant de Dieu. Lorsqu'on parle de mort, on fait allusion à quelque chose qui est sans vie. Lorsqu'on parle de mort, on fait allusion à quelque chose qui est faible. Lorsqu'on parle de mort, on fait allusion à quelque chose qui n'a pas de puissance. Amen. Amen. Lorsqu'on parle de mort, on fait surtout allusion à l'échec. Amen. La mort est le symbole de l'échec. Amen. La mort est le symbole de la misère. La mort est le symbole de difficulté. La mort est le symbole de désespoir, d'oppression. Amen. Amen. Il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories et plusieurs types de mort. Mais la mort dont je veux parler ici, c'est la mort physique, la mort de la chair. Amen. Amen. Il y a aussi la mort spirituelle. Il y a beaucoup de types de mort. Mais je ne vais pas m'attarder sur ça, je vais m'attarder uniquement sur la mort physique. Gloire à Dieu. Amen. Et la mort physique est une mort qui fait pleurer beaucoup de personnes. Amen. Amen. Lorsqu'on va généralement dans un funérailles, on dit que quelqu'un est décédé, les gens sont en train de pleurer. Amen. Amen. Parce qu'il y a la mort qui a frappé. Amen. Amen. Mais ce soir, je ne suis pas venu t'annoncer une nouvelle ou te donner un message de mort. Amen. Amen. Je ne suis pas venu te donner la parole ou une bonne nouvelle concernant la mort. Mais ce soir, je suis venu te parler par rapport à quelque chose d'autre. Oh yes. Quelqu'un m'a dit amen fort. Amen. La mort peut frapper dans la vie de plusieurs personnes. Mais ce n'est pas de ça que je vais te parler aujourd'hui. Je vais te parler de la vie. Amen. 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 Je vais te parler de la vie. La mort peut frapper dans ta destinée ou même dans la destinée de X, Y, Z. Mais ce soir, je suis venu te parler de la vie. Yes. Je suis venu t'annoncer que la vie va localiser tes soeurs et tes... Amen. J'ai l'impression comme si aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils n'ont pas encore bien concentré. Je ne suis pas venu te parler de mort, je suis venu te parler de la vie. Et dans le texte que nous venons de lire, la Bible parle d'un homme d'Ézéchiel. Et la Bible dit Ézéchiel était transporté en esprit et Dieu lui a montré une vallée d'ossements. Dans une vallée qui était remplie d'eau. Les eaux étaient à la surface de la terre et les eaux n'avaient plus de vie. Et Ézéchiel se posait la question, comment les eaux allaient faire pour revivre? Et la Bible dit que Dieu lui-même pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces eaux-là peuvent-ils revivre? Dans toute ma vigueur, dans toute ma connaissance, je n'ai jamais vu un os revivre. Quand tu finis de manger le poulet, que tu as fini de broyer les os là, j'ai déjà vu le poulet qui est revenu encore après l'os là. Mais comment Dieu peut le
poser une question de savoir les eaux là, est-ce qu'ils peuvent revivre? Les personnes sont mortes. C'est ce qui est tiré, c'est os seulement. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et Dieu demande, est-ce que les eaux là peuvent-ils revivre? Ce soir, je vais te parler à l'esprit de quelqu'un pour te dire et te poser la question. Est-ce que la situation difficile et compliquée que tu vis peut être changée? Amen. Est-ce que ce célibat chronique dans lequel tu dors, dans lequel tu vis, ce célibat qui est en train de détruire ta vie, qui est le symbole des chaussements desséchés, est-ce que cela peut-il revivre? Amen. L'esprit du baptême de te poser la question. Est-ce que tu penses que cette situation peut changer? Ézéchiel a vu les ossements et Dieu lui a posé la question, est-ce que les ossements peuvent-ils revivre? Tu es comme Ézéchiel aujourd'hui. Amen. Tu es comme ces ossements-là. Amen. Tu traverses des difficultés à n'en point finir. Au travail, les gens te jalousent. Tu n'as rien, mais ils te jalousent quand même. Pourtant, c'est lui qui a la Lamborghini, c'est lui qui a la voiture. Mais lui, il jalouse ta moto. La petite fille que tu mènes là, c'est ça lui, il te jalouse pour ne rien. Tu vis beaucoup de situations compliquées, difficiles, désastreuses. Des situations compliquées dans ton mariage, dans ton couple. Et même quand tu es marié, c'est bon, il y a d'autres qui ne sont pas mariés. Des problèmes compliqués, extraordinaires qui arrivent vers toi. Tu te poses la question, est-ce que je vais sortir de là? Tu regardes ta famille et tu vois que depuis 20 ans, ta famille est dans la même situation précaire. À chaque fois que quelqu'un veut sortir d'être dans la pub, il meurt en même temps. Dès qu'on dit qu'il a créé une entreprise, d'être boum, on dit qu'il est mort, c'est AVC. Donc dès que quelqu'un veut sortir la tête de l'homme, on le descend. Donc tu te rends compte que ta vie est une vie assez compliquée, difficile. Et tu ne sais pas à quel c'est de te vouer. Tu ne sais pas quoi faire. Et tu te poses la question, est-ce que ma situation peut changer? Ce soir, yes. La bonne nouvelle, c'est que je suis venu avec une onction. Oui. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a moins un serviteur. Amen. Dieu l'a moins d'une puissance extraordinaire. Amen. Supernaturel. Amen. Dieu a mis quelque chose sur sa vie, sur sa destinée. Amen. Afin qu'il puisse prendre des personnes de zéro et les faire héros. Yes. Afin qu'il les prenne de zéro et qu'il fasse d'eux des héros. Yes. Afin qu'il les prenne de la boue et les fasse asseoir à la table des rois. Yes. Donc je pensais que j'étais en train de parler d'eux. On peut parler un peu. Est-ce que ces eaux peuvent-ils revivre? Est-ce que cette situation peut changer? Et on se pose tous des questions. On se demande, est-ce que finalement je pourrais avoir ce visa? Ça fait au moins 4 fois que j'essaie, mais on ne donne pas un visa. J'ai essayé États-Unis, Angleterre, toutes les nations, tu as essayé, ils ne veulent pas. Pourtant, Dieu t'a dit que ta destinée n'est pas ici. Mais quand tu vas, on ne te donne pas. Tu te poses des questions. Est-ce que les ossements peuvent-ils revivre? Cette maladie me ronge. Je suis allé partout. Ça ne va pas. Est-ce qu'un jour je serai guéri? Tellement que c'est difficile, tu dis que non, ah, peut-être que c'est une épreuve. Je vais mourir comme ça. Oh. C'est pas une épreuve. L'épreuve de Dieu a un temps bien déterminé. Galates chapitre 4, à partir du verset 1, la Bible dit, aussi longtemps que l'enfant est encore un enfant, il est différent. Rien n'est esclave tant qu'il est soumis à des administrateurs, des titeurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc il y a un temps qui est marqué afin qu'il puisse quitter de là. La Bible, Jésus-Christ avait 40 jours et 40 nuits dans le désert. Donc il a fait un temps bien marqué. Mais toi, tu es dedans depuis, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Ce n'est pas une épreuve. C'est un combat. C'est une habitude. Mais la bonne nouvelle, yes, c'est que Dieu nous appoint. Amen. Afin d'apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Afin de libérer les captifs. Amen. La bonne nouvelle, yes, c'est que Dieu veut nous transporter. Amen. C'est vrai que la mort est là.
C'est vrai que les situations difficiles sont là aujourd'hui. Pas une réponse, c'est une question. Dis révélation. En réalité, quand tu vas demander ton visa et qu'on te refuse, ce n'est pas une réponse, c'est juste une question. Ils sont en train de questionner, est-ce que tu peux véritablement avoir la chose? Est-ce qu'il peut révéler ce soir? On te pose la question, est-ce que tu veux te marier? Le monsieur a quitté ta vie, ne pense pas qu'il a quitté, c'est juste une question. Mais la vraie réponse arrive après. Au verset 4, yes. Il lui donne maintenant une instruction. Il lui dit quoi? Prophétise sur ses eaux. Mais Dieu savait en réalité que les gens pouvaient revivre, mais Dieu a commencé par l'échec pour apporter la réussite. Oh yes. Écoute-moi, les réveils qui te sont arrivés, les échecs qui sont arrivés, n'étaient pas des réponses, c'était juste des questions. Yes. Parce que la question arrive, c'est que tu vas entrer dans la gloire. Amen. La réponse arrive, c'est que tu vas entrer dans la gloire. Amen. Tu vas entrer dans la gloire. Les enfants de Dieu ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Je pensais que tu allais te lever et me dire, mais toi, je le sais.